Papa, lire. Oh, c'est que les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pi-pi-fo-fum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pi-pi-fiddly-dum, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'en château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Oulala! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pi-pi-fo-fum, qu'est-ce que nous là? Miam, miam, miam. Pi-pi-fiddly-dum, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pi-pi-fo-fum, un géant n'est jamais rassasié. Pi-pi-fiddly-dum, d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Pi-pi-fo-fum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pi-pi-fiddly-dum, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rejetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on vit alors grand fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Pi-pi-fo-fum, Jack et sa maman sont sauvés. Pi-pi-fiddly-dum, allez c'est l'heure de goûter. C'était une fois trois ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude! Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit trois bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au
au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud. Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Au! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit la maman ours. Qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Dormi dans mon lit, dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'or se réveille et voit trois ours en colère. Si vite, dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment, vraiment désolée, lui dit Boucle d'or. Boucle d'or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Ok, Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormi, et pendant son sommeil vend de petites souris. L'une t'a permis garder le lion avec sa queue. Désolé, monsieur lion, dit-elle prise d'un parbleu. Le lion, mécontent, s'empara de l'introu. Ah ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout croûte. S'il vous plaît, monsieur lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as une petite souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur lion, je vous l'ai dit, je suis très très gentille. Oh oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce et je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur lion, je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Très bien. Oh, petite souris. Alors, les grands et puissants lions
laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie. Quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'un froid. Son rougissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, le grand lion était là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria: aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, rousset au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Ollie, on sera toujours là, les uns pour les autres. C'est l'heure. Je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Je vais faire les chaperons et bingo, vous pouvez tout aussi. Ok, ok. Et papa fera les chasseurs, ok papa? Ok, on y va. Une petite fille. Oh oui, oh oui. Oui, tout en rouge, une petite fille. Oh oui, oh oui. Elle est allée voir mamie qui ne quittait plus son lit. Et son petit chien dans les bois l'a suivi. Oh oui, oh oui. Maintenant, souviens-toi de ce que je dis. Directement chez mamie et sur le chemin, ne parle pas à n'importe qui. Oui, maman. Les chapons apportent des friandises. Oh oui. Oh oui. Parce que mamie aime les gourmandises. Oh oui, oh oui. Mais quoi dans les bois, le méchant l'ouvre la voix et lui demande où va-t-on de ses oh non, non, oh non. Non, non, non. Je ne vais pas vous parler. Je continue mon trajet. Bon, d'accord. Je ne veux pas être mal élevée. Nous allons chez mamie pour la gâter. Oh boy, oh boy. La pauvre est malade, je dois me dépêcher. Oh boy, oh boy. Les chaperons furent voir le méchant loup se dit: oui, je vais la suivre, je dois l'avouer. Oh non, non, non. La porte est comme ma maison. J'y serai avant le chaperon. Chez mamie. Oh non, oh non. Entrez dans les placards et restez ici. Oh non, oh non. Avec mamie enfermée, s'y glisser au lit. Je suis une pauvre dame malade, le loup a-t-il dit. Oh non, oh non, oh non. Qui est là? C'est moi, mamie. Oh, oh, entre ma chérie. Bonjour, mamie. Le chaperon en étrant. Oh oui, oh oui. J'ai cru entendre un cri strident. Oh non, oh non. C'était quoi ça? Demande la petite fille. Rien, viens par là. Oui, dit-il. Oh non, oh non, oh non. Oups. Oh oh. Tu as des grandes oreilles, mamie. Oh oui, oh oui. Et toi, des grands yeux, mamie. Oh oui, oh oui. J'ai de la chance. Oh non, oh non. Oh oui. C'est mieux pour te manger, ma fille. Bingo. C'est bien le petit chaperon. Oh non, oh non. Oui, un chasseur entendit le son. Oh non, oh non. Il a défoncé la porte et attrapé cette bête pour l'assommer d'un coup sur la tête. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu es un vilain loup. Pars et ne reviens jamais ici. Libérer tout le monde. Oh oui, oh oui. Et les chaperons a dit: je vous...
Oh oui, tu es de ma faute. Dis-elle doucement. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit maman. Mais tout s'est bien terminé à la fin, vous n'y trouvez pas? Elle aurait dû écouter sa maman. Elle est lui est partie, puis n'est jamais, jamais revenue. Hourra! Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria oh, loup, à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. Allez, oh loup, un loup attaque mouton, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loups, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste une farce pour passer les temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, il cria oh, loup, à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez, oh loup. Pauvre mouton, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. Un fois des blouses vinrent le villageois, mais Candy ne vit rien, il pointoir de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas une poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient hébernés deux fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit en loup et en feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours, oh loup. Mes pauvres moutons, au secours. Aide-moi, cette fois, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, mais ils croirent à une autre blague, alors continuent leur affaire. Alors en ces jours, ils vont en ville, le villageois vint pour l'écouter, et il leur dit... Pardon de vous avoir manqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yay! Je peux courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir. Il était une fois, une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent,
Il a presque raté son départ quand ils ont dit portez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Être vif, c'est qu'il gagnera. Il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lanterne, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hooray. Edwige, j'entends le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Oh non, fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important. Et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Dans le parc, trois petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Si le mignon petit ours construit sa maison faite de paille et non de pierre, il travailla si dur qu'il fit une sieste. Mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh! Dans le parc, il y avait deux petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Puis le deuxième petit ours. Je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste. Mais le loup la réveilla avec un rap, rap, rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Tu le troisième petit ours. Ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte. Je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. Pas par la porte.
fourrure de mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé, mais en vain, les trois petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leurs sous. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude. Celle de maman était froide. Celle de bébé était au coin. Je suis papa ours. Grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez! J'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y'en a un. Hey, y'en a deux. Non, regardez, y'en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours. Avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est sentie fatiguée et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh, oui. Celle-ci est au coin. Mais Boucle d'Or était trop lourde. Le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups. Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours c'est le dernier au final. Et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. L'espoir. Empouvre-moi. Ne
leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. L'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corvées, travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent. Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne font pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette des haricots
nature que nous connaissons et c'est ma préférée. L'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde rassemble. Les garçons qui criaient au loup. Il
avant, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyant, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Dans cette chanson, mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Les garçons, qui criaient au loup. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep, plus de loups qui crient pour ce garçon. Waouh, quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mon quartier. Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah. Des jours suivants, le lion était couru aussi vite. Il a marché sur un vieux fil. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam.
Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris. Il était une fois trois ours grizzlies dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud, grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaude. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit trois jolies dans lesquelles elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. Trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Well, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman, quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'Or se réveilla et vit trois ours qui la regardaient. Elle a crié, sautée hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'Or est partie pour toujours. Nos trois ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des trois ours. Hey! Hey, kids! Les fourmis vont labourer les champs. I ho, I ho. Les fourmis vont labourer les champs. I ho, I ho.
Les fourmis vont labourer les champs, la sauterelle va tourner sur la roue. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont planter au printemps. Hi ho, hi ho. Les fourmis vont planter au printemps. Hi ho, hi ho. Les fourmis vont planter au printemps. La sauterelle ne fait rien. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont creuser au soleil. Hi ho, hi ho. Les fourmis vont creuser au soleil. Hi ho, hi ho. Les fourmis creusent au soleil. La sauterelle danse pour s'amuser. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi ho, hi ho. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi ho, hi ho. Les fourmis récoltent à l'automne. La sauterelle n'aide pas du tout. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis rentrent quand l'hiver arrive. Hi ho, hi ho. Les fourmis rentrent quand l'hiver arrive. Hi ho, hi ho. Les fourmis rentrent quand l'hiver arrive. La sauterelle n'a pas une miette. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. La sauterelle a froid et triste. Hi ho, hi ho. La sauterelle a froid et triste. Hi ho, hi ho. Elle n'a jamais aimé le faire et maintenant se sent très mal. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho. Dit la sauterelle avec un sourire. Je ne manquerai pas de travailler. Du lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit : si tu me laisses partir, je t'aiderai. Un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit : hey, petite chose, que peux-tu faire pour moi ? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire. Alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie. Mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège. Il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit : maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu : j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serai pas là. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris.
l'histoire du petit chaperon rouge? Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Il était une fois dans les bois une petite fille qui vivait le chaperon rouge. Allait rendre visite à sa grand-mère malade. Alors elle s'en alla avec un panier de pain. Maintenant, je dois y aller. Mais le loup avait un plan. Il partira vers la maison de grand-mère de l'autre côté du bois. Le loup arrive dans la maison de grand-mère, se faufile par la porte comme une petite souris. Grand-mère a vu le loup, alors elle a crié. Ah ! Elle a couru dans le placard pour qu'on puisse pas la voir. Chemise nuit et des lunettes sur son nez. Quel loup malin je suis pour prétendre que je suis cette chère grand-mère malade au lit. J'espère que le chaperon rouge arrive vite, vite, sauf. Et le loup est vraiment très, très mauvais. Juste à ce moment-là, le chaperon rouge arrive à la maison de sa grand-mère. Elle ouvre la porte et marche jusqu'au lit de sa grand-mère. Grand-mère, je suis là, pauvre chose au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jeter un œil. Grand-mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi un câlin. Grand-mère, quel grand yeux tu as! Pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as. De grandes dents pour te manger. Pauvre petit chaperon rouge. Heureusement, un bûcheron passait par là et l'a entendu crier. Il a cassé la porte et est entré à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu crier de très très loin. Hey, grand méchant loup, d'ici et ne reviens pas, c'est bon chérie. Merci, merci monsieur le bûcheron. J'espère que ce loup ne reviendra jamais. Où est ma grand-mère? Où peut-elle aller? Est-ce que ce loup l'a trouvé avant qu'il ne m'ait eu? Me voici, petit chaperon rouge, je suis bien. Je me suis cachée du loup en un rien de temps. Dieu merci, que notre histoire est terminée. Qu'avons-nous appris du petit chaperon rouge? Ne parlez pas aux inconnus dans les bois et sois toujours gentil comme le chaperon rouge. Rires.